actualité très forte chez Microsoft, c'est l'arrivée de Windows 11. Voilà, et là, on n'est plus dans les rumeurs, on est dans le vrai. Allez, on est dans l'ancré. Oui, effectivement. Alors, il est possible aussi que durant cette keynote, il parle de Windows 11. Parce qu'il y a, évidemment, s'il sort une nouvelle Surface, elle sera d'emblée avec Windows 11. Enfin, je l'espère. J'espère qu'ils ne vont pas nous faire un coup comme ça. Oui, Windows 11 est sur le point de sortir, parce que ce sera le 5 octobre. Windows 11 sera lancé le 5 octobre. Il est déjà disponible en vrai un petit peu, puisque si vous êtes un petit peu bidouilleur, vous pouvez très facilement l'installer sur votre ordinateur. Est-ce que tu conseilles ça? C'est une version Alors ça marche bien, là je l'ai là, elle tourne ici, ça marche bien, ça marche très correctement, c'est très stable. Par contre, je ne recommande pas aux gens qui ne sont pas un peu bidouilleurs de le faire sur leur machine principale, parce que ça, on ne sait jamais ce qui peut arriver, ça reste un logiciel en version preview, il peut toujours avoir des bugs, tout ne fonctionne pas encore. Donc non, c'est vraiment, si vous avez un PC qui traîne et que vous n'utilisez pas trop et que vous êtes à l'aise avec l'installation d'un logiciel, oui, vous pouvez y aller sans problème. On explique sur ZeroNet comment faire. On a tous les tutos qu'il faut pour pouvoir installer Windows 11 sur n'importe quelle machine. Bon, alors toi, tu le pratiques depuis un moment? Oui, j'utilise depuis quelques temps. Ouais. Alors, est-ce qu'il est sympathique? Et écoute, oui, il est sympathique. Oui, il est sympathique. Ouais. Disons qu'on va dire, la première chose qu'on remarque, bon, c'est qu'il y a, vous avez dû voir l'interface, il y a un refresh graphique de Windows 10 avec cette barre des tâches qui a été un petit peu redessinée et puis le menu démarrer qui arrive au centre. Donc ça fait limite un petit peu macOS d'ailleurs. Hein. Et puis tout, en fait. Ne dis pas ça parce qu'après, il va dire oui, voilà. Non, mais c'est vrai, faut dire ça. C'est un de doc de macOS en fait, hein, ouais. Quand même un petit peu. Tout le monde copie tout le monde. Mais c'est beaucoup plus élégant que Windows 10. Ils se sont débarrassés, vous savez, des grosses tuiles qui étaient l'héritage de Windows 8 à l'époque où ils pensaient que tous les écrans allaient être tactiles et que donc il fallait absolument des tuiles pour qu'on puisse interagir avec elles avec le doigt. Là, on est repassé à des icônes, mais en fait, c'est plus élégant et toute l'interface a été revue. C'est pas un énorme changement, hein, on retrouve nos petits quand même. Ça, c'est bien. Voilà. C'est important et c'est pas facile en fait. Oui, parce que finalement, j'ai l'habitude de mon Windows que j'aime bien, que je connais bien. J'installe Windows 11. Je vais pas repartir de zéro en me disant mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour retrouver mes petits quoi. Non. C'est quand même un logiciel qui va pas perturber beaucoup les gens qui sont habitués à Windows 10. Mais c'est plus élégant, c'est vrai, c'est plutôt réussi. Très carré, ce design. Carré, mais moins carré qu'avant, parce que les fenêtres les fenêtres sont désormais arrondies sur les côtés, un petit peu arrondies. Donc c'est un petit peu plus doux qu'avant. Un peu plus doux. Donc l'interface a quand même un petit peu changé, sans révolutionner complètement Windows. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est agréable à manipuler? Alors là encore, si vous êtes habitué à Windows 10, on ne peut pas dire que Windows 10 soit un logiciel pas fluide, ça marche très très bien. Ouais. Si vous avez évidemment un ordinateur un petit peu récent, enfin pas un vieux truc qui a d'il y a 15 ans, et là c'est à peu près pareil, c'est très fluide, très agréable à utiliser, on n'a pas vu de bug, y compris sur la preview, de bug bloquant. Donc ça marche très bien et c'est très agréable à utiliser. Après encore une fois, ce n'est pas une révolution d'un point de vue de l'interface et de l'usage par rapport à Windows 10. Mmh. Quelles sont les nouveautés? Voilà, qu'est-ce que ça apporte en termes de fonctionnalité? En termes de fonctionnalité, mais il n'y a pas énormément de nouvelles fonctions, mais enfin, il y a en tout cas au lancement. Il y a une des grosses fonctions, à mon sens, qui n'arrivera pas tout de suite, mais qui est importante, c'est la compatibilité de Windows 11 avec les applis Android. Qui se fera grâce à un partenariat que Microsoft a noué avec Amazon. Donc en fait, les applications qui sont sur le store Amazon aujourd'hui seront accessibles sur Windows 11, donc des applications Android. En natif? Oui, on pourra faire tourner des applications Android sous Windows. Donc j'aurai quoi? J'aurai un magasin d'applications Android? En fait, ces applications-là seront sans doute disponibles au sein du store Microsoft. Il y aura une partie, parce que en fait, ça c'est une autre nouvelle fonction de Windows 11 par rapport à Windows 10, c'est l'arrivée d'un tout nouveau store. Parce que le store de Windows 10, pour ceux qui l'ont pratiqué, c'est un petit peu galère, ça marche pas très bien, c'est pas très efficace. Ça servait pas à grand chose surtout. Non, parce qu'en fait, il n'y avait pas toutes les applications. Là, l'ambition de Microsoft, c'est de faire un store beaucoup plus universel, on va dire, avec non seulement les applications qui étaient déjà disponibles dans Windows 10, mais aussi toutes les applications classiques qu'on appelle Win32, les applications, vous savez, en .exe que tout le monde connaît dans Windows. Donc demain, on pourrait avoir effectivement toutes les applications
accessible sous Windows de, sous ce store-là. Donc, en fait, le rêve caché de Microsoft, c'est qu'on ne télécharge plus de programmes depuis un navigateur, mais depuis ce store, qui serait évidemment sécurisé. C'est un peu le principe de ce qu'a fait Apple depuis longtemps, ou à Google avec dans l'univers macOS, ça n'a pas été une réussite. Effectivement, ça n'a pas été une réussite sur l'univers macOS parce que les gens sont habitués à faire autrement. Et je pense qu'ils le sont encore plus sous Windows. Ils sont encore plus sous Windows. Ça va être compliqué. Mais en tout cas, déjà, s'il fonctionne mieux que celui qu'on a aujourd'hui, ce serait super. Parce que c'est vrai que ce n'est pas pour l'instant une grande réussite. Mais ça, c'est quand même. Et donc, il y aura aussi le support de ces apps Android pour, on va dire, garnir ce store. Et ça, c'est intéressant, les apps Android, parce qu'on peut se dire à quoi ça sert de faire tourner une app de smartphone PC. Mais y a, en fait, ça va aussi sans doute booster les développeurs à. Qui sont habitués au monde Android à porter certaines applications sur Windows facilement, puisqu'en fait ce sera le même code, avec des écrans plus grands. Ça pourra aussi développer l'écosystème des tablettes Android qui aujourd'hui est un petit peu problématique. Donc ça, c'est une grosse nouveauté. Après, on va peut-être pas toutes les données, les nouveautés, mais il y a aussi l'intégration de Teams, il y a aussi de meilleures fonctions pour les jeux vidéo. Oui. En fait, une plus grosse intégration avec le web. En gros, d'ailleurs, il faudra absolument un compte Microsoft pour se connecter à Windows 11. Ça fait partie des petits désagréments. Vous utilisez Edge ou pas? Non, mais par contre, ils vont compliquer le changement de navigateur. Ils l'ont fait sur la preview. Là, ils vont se faire taper sur les doigts, c'est certain. Un petit peu, mais c'est vrai qu'ils vont compliquer le changement de navigateur. Le changement de navigateur par défaut, pardon. Et même l'intégration de Teams, comme ça, ça risque pas de poser des problèmes. C'est possible, Parce que les Zoom et les autres services de Google. C'est possible. Et en plus, il y a un nouveau programme qui s'appelle Conversation qui est directement embedded dans la barre des tâches, qu'on peut même pas enlever facilement. Mmh. Et c'est vraiment fait pour que vous utilisiez plus les services Microsoft. Voilà. C'est aussi ça, Windows. C'est aussi, on utilise davantage nos services à nous. Et pas que l'OS, mais tout ce qu'on a dans le cloud. Toujours la même histoire qui se répète. Exactement. C'est échange la gratuité de cet OS, puisque pour conclure, il est gratuit. Il est gratuit, il sera disponible gratuitement pour tous les gens qui ont Windows 10 à partir du moment où on est une machine compatible, ce qui est un autre problème, parce qu'il faut quand même avoir, on a tous les articles sur Internet qu'il faut, mais il faut, vous avez un petit logiciel qui vous permet de savoir si votre machine est compatible ou non. Il faut plus de mémoire vive, plus d'un processeur. Il faut surtout la gestion du TPM, qui est une option de sécurité que la plupart des PC récents ont, et un processeur pas trop vieux. Donc c'est tous les Intel Core à partir de la 8e génération et les Ryzen à partir de la 2e génération. Avant, ça ne marchera pas, sauf si on bidouille. Voilà. D'accord. Bon, très bien. Plus d'infos sur 01net.com, bien entendu. Est-ce qu'il tourne sur Commodore 64, non. Windows 11? Non. Bon, moi, comme non. Ça, c'est on n'a même pas essayé, mais je ne pense pas. Ça aurait été fun. Jérôme, l'actu, c'est aussi.